Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Il est minuit. Nous sommes lundi 27 février 2017. Nous sommes rentrés ce matin de Libreville avec des amis, des frères et sœurs, des missionnaires. Dieu nous a agréablement surpris. Beaucoup étaient fortifiés, beaucoup sont fortifiés, nous sommes encouragés et le Seigneur nous a étonnés. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le soutien que tu nous as apporté, que tu nous as, Seigneur, mon Dieu Père, Alléluia, gloire à Dieu, apporté pendant cette mission. Merci pour mes frères et sœurs qui nous ont soutenus, qui prient pour nous, qui nous ont assistés, Seigneur, avec leur, Seigneur, avec leur prière, avec leur bien. Merci pour tous ces baptêmes. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Yeshua, notre Maître. Amen. Il y a eu, durant cette mission, mes frères et sœurs, près de 344 baptêmes. Il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup de témoignages, beaucoup de confessions. Il y a eu notamment ce jeune homme qui était sataniste et pendant des années, qui a confessé devant tout le monde comment il procédait pour tuer les gens, pour détruire des vies. Qui t'a donné ça? Ma grand-mère. Ta grand-mère. Oui. Tu as sacrifié combien de gens? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Tu as sacrifié beaucoup de gens. Oui. Comment tu faisais pour les sacrifier? De plusieurs manières. Déjà, il faut dire que j'étais consacré au diable, esprit, âme et corps. Donc, je pouvais tuer quelqu'un même par mes pensées, en fait. Je pouvais tout faire, même quelqu'un peut me toucher. Je peux retirer une grâce simplement parce qu'elle m'a touché. Quand elle me dit bonjour, quand je réponds bonjour, j'envoie la malédiction, je retire ce qu'est son esprit. Quand on marche, même par l'esprit, l'ombre, comme ça, je piétine l'ombre pendant qu'on marche, je retire. Donc, et dans le monde de la sorcellerie, j'étais un guerrier là-bas. Et en tant que guerrier, je tuais beaucoup. J'étais quelqu'un, je n'avais pas de pitié. J'avais souvent des sabres et j'étais accompagné de beaucoup d'esprits. Quand je rentrais dans une maison, je tuais tout le monde, les bébés, j'égorgeais, je tuais tout le monde. Je ne laissais aucun survivant, je brûlais la maison. Après, j'allais dans une autre maison et je tuais. Et c'était tout ça que je faisais. Dieu a beaucoup fait de choses comme ça et bloqué les vies des gens. Être aussi un mari de nuit, parce qu'à la fois aussi, je suis homosexuel, transsexuel, bisexuel. Je suis tous à la fois. Donc, à la fois, je suis une femme et j'ai des rapports sexuels avec des esprits qui sont des femmes et qui ont des sexes d'hommes. Mais à la fois, je suis une femme, j'ai des rapports sexuels avec des hommes. Et à la fois, je suis un homosexuel, j'ai des rapports sexuels dans le monde mystique avec des hommes. À la fois, je suis un mari de nuit. Je sors avec des femmes, des personnes pour bloquer les vies, pour faire des choses comme ça. Qui t'a invité ici? Je vous ai suivi à la télévision hier, au midi. Et c'est comme ça que je suis venu. Mais ils n'avaient pas l'argent du taxi, puisqu'ils restent à Bikele. Même pour venir ici, j'ai marché. Et puis je suis arrivé ici. Y a eu aussi cette femme qui souffrait du sida. Le Seigneur a donné une parole de connaissance sur sa guérison, pour sa guérison, et le lendemain, elle est allée faire des examens et elle est complètement guérie, complètement transformée et restaurée. Bonsoir, donnez-nous le micro là. Je suis dépassé. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle la sœur Olga. Je suis venue mardi ici parce que j'ai pris le but. Mais j'ai ce sida là. J'étais avec le père des enfants. J'ai deux enfants. L'autre a 13 ans et ma petite est avec moi là qui a 5 ans. Donc j'étais avec lui, j'ai vécu avec lui.
Maintenant, tu as eu la grossesse de la petite. Maintenant, tu fais tes examens, je t'ai dit. Maintenant, en accouchant, je viens l'accoucher. J'ai allaité tout. La petite était là. Maintenant, ça n'allait pas toujours dans la maison. J'allais toujours des églises en église. Mais lui, quand il vient, il dit, oui, tu es toujours un peu allé dans les églises. Tu cherches quoi? Et tout. Ma chère, tu cherches quoi? Et moi, maintenant, il vous prend, il nous dépose avec les enfants. Quand on finit, il vient nous prendre. Partez toujours dans votre église. Moi, j'ai mon église là où je pars. Maintenant, je suis comme ça, je sais plus les années. Je dors, le Seigneur me révèle la première, la fille. Dans le son, le Seigneur me dit que me montre le visage. Je ne me mettrai pas, me mettrai l'enfant. Il dit que maman, là où tu as le sida, dans le rêve, parce que je suis où. Il dit que oui, maman, papa t'a donné le sida. Après, j'avais une fourchette. La fourchette, il y avait le signe de la croix de Jésus devant. Et derrière la fourchette, il y avait un signe bizarre, le signe de cercle bizarre. J'ai jeté la cuillère comme ça dans le sol, la fourchette. Il dit, oh, mais papa mange avec ça. Maman, je ne sais pas que papa mange avec ça. Il a dit que t'avais le sida. Le sida, là, tu ne pourras jamais guérir de ça. Même si tu vas aux États-Unis, partout tu vas, tu ne guériras pas de ce sida. Là, tous les jours, c'est pas comment tu manges comme si tu ne mangeais pas. Les enfants venaient bientôt quand tu vas mourir. On m'a amené au CTA avec les mêmes frères et tout. On m'a fait les examens avec les deux enfants. Les enfants n'avaient pas. Lui n'avait pas. C'est moi qui avais. Mais c'est comme ça qu'ils m'ont prélevé. Ils m'ont amené, machin. J'ai dit, ah Seigneur, je suis sorti de vous pécher là où j'étais là-bas sur le mur, au terrain familial là-bas. J'étais là avec les enfants. Et là, tu as les examens d'enfants? Les examens d'avant. Faites voir un peu là. Ça, c'est les examens. Amenez le médicament. Va chercher le médicament. Amenez ce médicament. Dépistage volontaire. Ça, c'est pour. Ok. Bon examen sérologique. VIH positif. Voilà. Ministère de la Santé publique, l'hygiène publique. Voilà. Programme de lutte contre les IST et également SIDA. Positif. Alors, je suis parti après quand l'homme de Dieu, je suis moi l'esprit, j'avais l'esprit de mari de nuit, parce que j'avais le dos qui faisait. Et comme si il s'était en train de combattre. Tout était dans le sang, dans le corps. Il s'était en train de combattre toute la semaine. Ça m'a piqué même dans la chair, dans la tête. Je prenais maintenant la livre. Je craquais tout le corps, je craquais. Même quand l'homme de Dieu a prêché à la santé là-bas de Jean. Je ne dormais pas de nuit, je craquais comme si ça se battait maintenant. Et tu me sens qu'il se bat maintenant dans le corps. Maintenant, quand l'homme de Dieu, quand le frère a parlé, c'est là où j'ai pris l'enfant, les parti. Le matin, je dormais, le Seigneur dit lève-toi, prends l'argent, va au cabinet de groupe là-bas. Parce que le Seigneur t'a amené au cabinet de groupe, je t'ai fait les examens, je t'ai fait les examens. Le Seigneur m'a dit va, prends l'enfant. On est parti pour sa vie, on est allé. Je suis allé au secrétariat. Oui, voilà, je suis venu faire le dépistage. Je vais savoir mon statut sérologique. Je vais faire le test du sida. On m'a dit, vous avez le bon examen. Je n'ai pas le bon examen. Voilà, je veux toujours savoir ma procédure, ma chérie. C'est comme ça qu'elle a appelé le docteur. Oh, on tape le docteur à l'époque là-bas. C'est là où elle m'a rempli. Je suis allé avec l'enfant. Je suis allé après. On m'a examiné, je montais avec l'enfant, c'est là où la petite, comme elle a 5 ans. Elle dit, maman, on marche, je dis, maman, mais tu as déjà guéri, je dis, amen. C'est là où on marchait, on avait ma route, j'avais déjà ouvert l'enveloppe, comme la femme n'était pas fermée. J'ai ouvert et c'est comme ça qu'on sautait maintenant en route avec l'enfant, on courait maintenant, je comprenais la vie. Nous sommes le mercredi, quand vous avez dit 22 février, nous sommes vendredi,
Donc j'ai fait ça mercredi. La prophétie est sortie mardi. Frères et sœurs. D'autres choses que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, en parler, détailler en une soirée, parce que c'est énorme ce que Dieu a fait. Et grâce à vos prières, grâce à vos conseils, les choses avancent petit à petit. Merci en tout cas à tous les frères et sœurs de Libreville, aux autorités également gabonaises qui nous ont octroyé des visas, qui nous ont accueillis, qui nous ont permis d'aller dans ce pays pour apporter l'évangile. Et merci en tout cas à vous, équipe, à vous tous, hein, donc à toutes les équipes de Libreville, pour votre soutien. Et vous qui nous avez nourris, accueillis, transportés, soutenus, tout ça. Et merci, un grand merci en tout cas. Et on aura le temps cette semaine, si le Seigneur le permet, de parler en détail sur ce que le Seigneur a fait là-bas. Mais vous allez suivre quelques extraits de ce qui s'est passé à Libreville. Des guérisons, des baptêmes, des délivrances. Comme je le disais, il y a eu 344 baptêmes. C'est vraiment quelque chose qui m'a personnellement encouragé quand je voyais ces jeunes gens, ces femmes, ces hommes se lever pour se convertir. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ce genre de choses. Et nous ne sommes pour rien. À lui seul, la gloire. Il mérite la gloire, l'honneur, la louange. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour cette œuvre. Garde, Seigneur, nos cœurs dans ton amour. Au nom de Yeshua. Merci également à l'équipe de TV de Vie. Il y a tous les frères et sœurs qui nous soutiennent pour les travaux ici au 24. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Nous vous donnons rendez-vous le 5 mars à Orléans. Que le Seigneur soit glorifié. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir.